Oh,
que yon nou bè, ni gòt mò bè yon kanolè. Kè nou e bon krelè, nou gòt mò gè te yi. Kè lò, lò yon kò wate mò nou tò nyan. Si yè lò, e lò kè bò kò mò. Mou la sè lò. Mou la sè lò. Mou fè mè bè di, a lò yon tè kò mè kò. Se, je kwa lè, ga e bà tò. Et non, mais Brady va au tété. Mais Brady va au tété. Qu'est-ce que vous voulez, maman? Dis, mais bref. Tu es trop lourd. Mais, à Poubert, là où vous êtes lourd, mais je ne vais pas aller à l'eau. Moi, moi, je vais. Y compris, c'est lourd, mais tu es là, quand vous êtes. Ah. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Yeah.
Non, on s'y déconne tout le monde. Amen. Y aller, tu peux amener. Amen. Appelle au conquin au chamimain, au chamimain, au théan, il est donc et donc. Il est laissé à l'époque pour voir la fin. Dieu, mais moi, je suis venu. C'est le même, pour le moment. Amen. Pour le moment, comme pauvre. Même pour moi, mais même les livres en cours. Le bel quoi, il va parler. Le miroir, on s'est l'eau du bon passa. A de Golo, le quoi, il y a le monde du poids de quoi. Et quel le nom de Gabatan? Et bien le nom du bon passa, au caillot. Beaucoup à l'eau, mais quel local? Foyer, mais tu es où? Et tu es où? Et c'est, mais tu es pour force, c'est pas pour comment? Les M. Le Gaël, le cercle. Hello, Matelo. Quelle est ton bon drinkale? Hello, Matelo. Quelle est ton bon drinkale? Non, mais il y a un peu de temps. Après, il y a un peu de temps. Après, il y a un peu de temps.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, pour prendre place à l'école de l'église, le côté des sécurités, suivi des deux hôtels, suivi de la famille, dans les fonds de la société pas de place à l'intérieur, vous installez les fonds pour les. C'est pas une chose, c'est l'église qui est l'église. Mais la famille, vous suivez les deux hôtels. D'accord, s'il vous plaît. Merci au révérend père Dengui Bernard, curé de la sympathique paroisse Saint-Thomas d'Abidjan-Avant, qui me fait l'honneur en me permettant de présider à cette célébration. Ce jour m'attriste profondément. C'est donc étreint par une émotion profonde que je voudrais, au nom du clergé, et à votre nom à tous, présenter aux familles éplorées et à leurs alliés nos condoléances émues. C'est dans la parole de Dieu et en Dieu lui-même que nous trouvons notre consolation. Mais avant et devant la sainteté et la miséricorde de Dieu, reconnaissons nos péchés et demandons-lui pardon pour nos chers disparus et pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Thank you.
Seigneur Jésus, le deux familles de la tristesse regarde avec amour la prière de toute l'Église. Et accueille nos prières, Père. Pardonne à nos frères en matière et firmes pour toutes leurs fautes. Thank you.
De mon grand-père. La plupart des personnes présentes aujourd'hui le connaissent et ils se souviendront d'un homme heureux, honnête, calme, généreux et studieux. Pour nous, ces petits-enfants dont je me fais la porte-parole à cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour notre pépé, notre grand-père d'amour, cet homme qui s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a toujours été présent pour sa famille. Et nous, ces petits-enfants,
avions reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Et pourtant, notre pépé Maté n'est plus là. Je me souviens de jamais de ces pauvres mots. De détente. Quand nous passions autour de lui, avec mes cousins, mes oncles, mes tantes, dans la maison familiale. Sa tendance a toujours organisé des moments de retrouvailles en famille, lors des fêtes de Noël, de Pâques et autres. Avec sa joie débordante, son sens de l'humour, sa passion pour la musique et surtout la danse, et ses talents d'orateur et de conseiller ne sont pas en reste. La plupart du temps, il aimait bien donner des conseils et aborder des détails et des débats avec mes oncles et ceux qui le visitaient à la maison. Il avait presque toujours quelque chose à dire. Il aimait se référer au passage biblique pour conseiller et parler aux autres. Je n'oublierai jamais cette passion de la lecture qu'il avait. Sa franchise, son sens de l'honneur et de l'intégrité nous manqueront. Je souhaite te remercier, grand-papa d'amour, pour nous avoir légué une bonne éducation et le sens de la dignité. C'est en grande partie grâce à toi que nous sommes ce que nous sommes et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes, que nous continuerons à nous réunir et à nous entraider et à soutenir Grande Mère Bénédicte Dorcas que tu nous as laissé, que tu nous laisses. Comme tu vas nous manquer, grand-papa, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as été un modèle, un héros et tu le resteras. Notre Seigneur nous a promis la résurrection et dans pas longtemps, nous nous reverrons. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Merci grand-papa d'amour, que le Seigneur t'accorde un doux repos auprès de lui. Adieu grand-papa. Souris maman, sois notre fille maman, tous les que changements, tout passe. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à Martin et Firmin, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as sanctifié Martin et Firmin dans l'eau du baptême. Donne-leur en plénitude la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Seigneur, de ton corps, reçois-les à la table de ton royaume, nous t'en prions.
Par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure-toi même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir nos frères, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Martin et à Firmin de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'ils voient de leurs yeux la clarté de ta lumière, pour des siècles et des siècles. Amen. Le vie est comme Lazare qui mendiait à la porte du festin. Tu entreras dans l'éternel repos. Le cortège des anges viendra t'accueillir. Et comme Lazare qui mendiait à la tu entreras dans l'éternel repos. À ton arrivée, que les anges te reçoivent. Le cortège d'anges viendra t'accueillir. Et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel. Notre Père, qui es aux cieux, le porteur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Attendez. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Attendez. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est au Père, c'est dans lui seul que je dois la vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. C'est dans lui seul que je dois la vie. Pour le don de ta vie, si de l'amour est fini,
et jamais, mon Dieu, je laisserai humilier, car mon sang ne revient de toi, Seigneur, je te Mon libérateur.